So, brand new kitchen. Oh, mais vous êtes déjà là? Non mais attendez, vous pouvez pas regarder alors que je vous ai pas montré comment on en est arrivé ici. Attention, tenez-vous prêts. Bienvenue dans le makeover de ma super cuisine. Encore une fois, avant de vous laisser avec la vidéo, je vais peut-être vous parler pendant 2 heures à côté de ma vaisselle tout juste faite parce que j'ai une belle cuisine mais il n'y a toujours personne pour venir me faire la vaisselle. Écoutez, cette vidéo, ça a été un calvaire à monter, filmer et à tout simplement refaire cette cuisine. Vous allez le voir, on y a passé 2 jours. On a dû refaire la cuisine parce que il y avait une fuite au niveau du robinet d'avant et puis le plan de travail n'était pas de super qualité. Donc il y avait une fissure et par cette fissure là en fait l'eau pénétrait dans tout le plan de travail, en dessous de l'évier, enfin c'était un peu un gros mess. Ça faisait très longtemps qu'elle était là cette cuisine, au moins 10 ans je pense. Comme vous allez voir, c'était pas du tout une partie de plaisir, on a eu beaucoup de surprises et pas des bonnes surprises. C'était des surprises toutes les heures en fait sur l'état de la cuisine et l'état des fondements, de comment ça a été fait avant nous, enfin avant ma mamie et tout ça, enfin c'est toute une histoire. On a fini par y arriver, enfin mon papy a fait 80% du travail, ma mamie et moi on était juste là pour l'aider. On a refait en fait toute la surface, ça a été un bon travail, on a aussi repeint les murs qui étaient avant un marron sale et sali par les années, qui était vraiment pas joli. Là pour le coup on est vraiment parti dans un autre thème, une autre idée. Je vous préviens avant que ça commence, c'est vulgaire, il y a des blagues de cul et il y a des blagues misogynes qui sont des blagues. Voilà, on a beaucoup d'humour dans cette famille, vous allez voir c'est très très drôle. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que ça pourra vous inspirer, qui sait, pour une petite idée de déco de cuisine. Sur ce, j'arrête de parler, je vous laisse avec la vidéo et c'est parti. T'as pris à partir de là? Je me rappelle. Les premières surprises arrivent dès le début, comme je vous l'avais dit, on se rend compte qu'on a acheté un plan de travail de 3 cm trop court étant donné que du carrelage a été collé sur les murs et qu'il est du coup épais de 2 ou 3 cm de plus que ce qu'on avait prévu. Ce qu'il faut, ouais, c'est le ramener par là et essayer de trouver, faire un joint là. Ouais. Ouais, tu fais un joint et puis tu comptes. Celui-là, on va l'encastrer. Oh, putain de placard de merde. On s'attaque maintenant au plus gros, arracher tout le plan de travail et c'est là qu'on s'est rendu compte que tout était collé, vissé au mur, au plan juste dessous et ça a été une galère sans nom qui nous a pris au moins 2 heures. Tu pourras le revendre sur internet ça. Oh bah oui. On va faire un business là. Ah oui je vois, tu veux que je fasse un truc? J'aurais dû, parce que je vous ai... Mais on dirait que c'est là, c'est coincé, ça passe. Bah oui c'est en dessous, regarde. Ça passe en dessous. Ah oui, donc faudrait tirer comme ça. Voilà, si j'arrive à le couper là, il va péter, il va venir tout seul. Mais c'est pour ça que je voulais mettre un truc en dessous pour soulever. Il n'y a même pas de joint là. Non. T'as pas un pied de biche? Non. T'as jamais un pied à voler? Non, tu vois, ça jamais trop tard. Ouais. Impec. Comme ça, je peux couper avec la scie sans abîmer ça. J'ai remis pour moi. Oh la pâte. Quoi? Viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. Et comme on dit, jamais 203, puisque ma mamie était en train de monter une table sur le balcon pour ma terrasse. Et je vous laisse regarder la suite pour voir ce qui est arrivé. Vis bien droit parce qu'on n'a pas droit à l'erreur, c'est de la glée. Je suis droite là? Non, le plus droit possible, tant. Putain. Non, il y a un problème de trou là. Bon, on dévisse. Ok, j'ai compris. On n'a pas droit à l'erreur. Oh, tu veux de l'aide peut-être? Non, merci. Tu vas te faire assommer par là. Elle est usée.
Faut toujours qu'il y a quelque chose qui fait chier. T'inquiète, nous aussi, hein. Putain. Si je tournais plus vite, pourquoi elle vient pas, cette putain de vis? Mais comment il a fait le trou? Bon, ah oui, mais oui. Nickel. Ouais, mais c'est déjà bien. Et toi, papy? Aïe. Et toi, papy? It was at this moment that he knew he fucked up. La cata. Quoi? Viens m'aider. La cata. Je vous montre quand même. Voilà la table. Maintenant, 4 petits, 3 petits trucs. Voilà. Mais bon, elle est beaucoup plus grande que celle d'avant, donc je vais pas me plaindre. Bordel de l'appartement, c'est la cuisine en fait. Oh my god. Oh my god. Tu te fais chier là. Hein. On dirait une blague, tu sais. Ah oh ben nous, on a percé la table. Ouais, il y a des trous dans la table. C'est pas notre faute, nous on a fait correctement. C'est de votre faute, je veux pas le savoir. C'est toujours les gonzesses qui ont tort. Boss, on verra après. Je vais t'enfermer. Regarde le bordel bien, on va voir ce qu'il va y avoir. On va voir ce que ça va ressortir. Parce que nous, c'est propre hein, dehors. Hein. Few moments later. On peut aider? Non. On va sur ça, on va dormir. Ah bah la planche elle est venue avec. Tant pis, je sais comment refaire pour ça. Je sais comment réparer. C'est bon, on dira pas la proprio. D'accord. Regarde, ça a arraché là. Merde, mamie, bon, tu vas dans la chambre et je te rappelle quand c'est fini. Dans les toilettes, moi. Elle a pété. Ça fait rien un peu. Comment je fais pour l'enlever? Elle est accrochée après ça. Maintenant, il faut des carrés pour faire dîner. Bon, le moment de la vérité. Voilà. Tu sais, t'as pas besoin de lui faire les trous, hein, la gamine, elle va se démerder. Hein, quel trou? Pose l'évier dessus. Là, on mettra du silicone. Silicone. Ouh, silicone carné. Et maintenant, il faut le faire celle-là. T'aimes le silicone carné? Ouais. Vous voulez un apéro avec des trucs apéro et une bière? Oh ouais. Oh ouais. Du whisky? J'ai du whisky. J'arrête de... Je dis. J'en ai rien à foutre, après ça me... Moi j'en ai pas rien à foutre. Où est ma trousse? Dans ton cul au fond à gauche. Excusez-moi les arsouilles, je... cherche... Merci pour les arsouilles. De rien, c'est un plaisir. Moi des fois j'aime bien les arsouilles. Bah la tienne Patrick. La tienne. Mon chine. Ah c'est bien. T'as pas mis le son quand même? Si si, il y a le son. À la santé du con qui paye. C'est pour le con. Ben, c'est moi. Non, c'est pas toi. C'est moi qui paye. C'est toi qui paye. Tu vois, je t'avais dit que ça allait rentrer ma voiture. Elle... Elle est géniale. Elle est géniale. Ça va vite, hein, 40 euros. Et c'est parti, on s'attelle aux mesures pour faire les trous dans le plan de travail pour la plaque de cuisson et l'évier. Et de l'autre côté, dans la cuisine, ma mamie, la pauvre, elle s'est attelée pendant 1h30 à arracher tous les petits bouts de joints qui restaient de l'ancien plan de travail. Pas avec les doigts. Ok. Mais j'arrive. Tiens. Là, c'est bon, non? Oui, là, c'est parfait. Pour pas de faire ce qu'il faut, je... au moins que je fasse l'entame, parce qu'après, je pourrais plus passer la scie. Là, on est bien. Hein. Ça va être chiant, non? Oui. Oui. Mais... je vais faire avec la main. Stop. Voilà, tu serres comme ça et nickel. Tu vas savoir mettre des joints. Ouais. Bon, après ça va, faut pas un bac plus 10 pour faire ça. Je suis pas à moitié de ouais. Hein. Mais le bac, on en a rien à branler, c'est la technique qui nous intéresse. Oui, chef.
Pardon, messieurs. C'est pas parce qu'on est instruit qu'on s'est coupé un morceau de bois. Ça, c'est clair. Attends, je te rends. Bon. Fais-le, là, toi, l'intelligent. Je vais faire chier maintenant. Voilà. Hop là. Tu sais que t'aurais pu le mettre en travers. Quoi? T'aurais pu le mettre en biais. Non. Non. Non, mamie, ça aurait pas été très joli. Hein. Maman aussi, elle a ce coup, bah, je sais de qui elle me tient, de tout mettre en biais. Ouais. Tout. Moi, j'ai eu ça aussi quand j'avais 14-15 ans. J'avais tout en biais dans la chambre. Vous avez mis en biais chez vous, là? Oui, bah regarde ma gueule. C'est pour ça, ouais, t'es de... Ouais, mais si tu mets un costard qui est dans le sens contraire, t'auras l'impression... D'être de... droite. Ouais, c'est Fernand Reynaud avec son costard. Bon. Le moment de la vérité. Fais le poil, Ça sent la faute à Alissa. Oh, deux Alissa. Enfin, quelque chose qui irait bien. Tu trop court. Oh merde. Mais qu'est-ce que tu m'as appelé comme le... sans déconner? Qu'est-ce qu'il y a? What? Mets-le bien au fond. Ah mais oui, il est pas au fond. Ah bah si, il est au fond. C'est l'arrondi. Bah voilà, c'est très bien comme ça. Je vois pas le problème. C'est comme ça, quand tu nettoies, la flotte elle glisse en bien. Voilà. Félicitations. Allez, cassez-vous de chez moi. Ouais, on se casse là. Oh, j'en ai pété de joie. Regarde. Bah maintenant faut mettre la baguette par contre, est-ce qu'elle ah passe? Ah oui, c'est pour ça. J'ose pas dire, mais un truc comme ça. Non, ouais. Mais c'est bien. Non, mais c'est le placard qui est pas droit. C'est vrai, c'est le placard. Vertigre, je pense. Si un garçon te voit et qu'il est amoureux de toi, fais ah ouais, il est très amoureux. Voilà, pas en cours, on raconte le signal. Moi aussi. Ouais, tu veux l'abîmer. Ouais, l'abîme pas, c'est le seul truc qui marche. Ouais, mais parle pas trop vite, hein, mamie. Ça, tu me fais pas bouffer ça ce soir. Pourquoi, je comprends pas. Ça cuit. Ah oui, c'est vrai. Basse température. So, brand new kitchen? Oh my god!